sauvé. Il dit que l'Éternel y a invité les signes des prophètes mortels. Il confie la parole de ses serviteurs. Il a accompli ce que prédit ses envoyés. Il fait reculer les arbres pour que la gloire de l'Éternel. Il est puissant. Il dit, on reste donc. La Côte d'Ivoire fait partie de ça. Après, je vais te dire bonjour.
le diable vient sur elle. Et quand après ça, il se travaille, il a fait des liens sur la maison, il y a des gens qui ne veulent pas le faire. Il n'a pas réagi comme ça. Dieu n'est pas comme ça, il est sage. Mais quand il manifeste sa colère, quand il manifeste son amour, il tient, il n'est pas. Il sort. Jésus. Il dit le car la colère des élèves va fonctionner les nations. Et comment les nations où le Seigneur a résolu réagir là, c'est là. Il réagit doucement. Sa fureur, si vous les parlez, il les voit à l'extérieur son texte. Bon, des choses vont être exterminées. Il est dit au Gaza. Les morts sont jetés. Il y aura des morts. Ça prend de la colère de se manifester. Quand les humains les blessés s'exercent, il y a des morts, il y a le carnage, il y a la désolation, il y a l'extermination. Tout cela, tu veux comprendre. Ce n'est pas, c'est des choses claires. La ruine est une ruine qui est à bon droit. À cause de l'arrogance, à cause de l'orgueil, de plus en plus de côté politique, de plus en plus de la stratégie, à cause de l'orgueil. Sur le règne des hommes et qui le donne
Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez.
examiner les choses. Comme il était levé, pourquoi ne pas prier au soutien pour qu'il te consulte, pour qu'il te dise pourquoi? Mais c'est dangereux de paralyser ses prophéties sans raison certaine. Il est faux, c'est des risques vraiment incalculables pour quelques personnes. La vie même, tu peux même la vie à côté. Tu peux même la vie à côté de ça. Dans Jean chapitre 2, verset 6, le Seigneur dit si quelqu'un veut vous demander ça, il va te donner à toi. Sans douter. Le Seigneur, sans le condition du donner, prie et dis-la. Parmi le peuple de Dieu, tous ceux qui vont mépriser ces prophéties, leur sort à leur sort, ils vont porter les grandes mains, ils seront apaisés. Ou bien l'annihilissement de leur espérance du monde. Et leur espérance va prendre. Ceux qui sont fils de Dieu, sont hommes de Dieu, servants de Dieu, toi tu dis que tu as l'esprit de toi. Tu as besoin de ces paroles de vérité pour que tu comprennes la parole de Dieu. Au lieu de t'examiner et de tenir ce qui est bon, au lieu de prier que le Seigneur te conduise, tu vas dans ces prophéties qui agissent comme un païen et des ancêtres. Mais il y a des gens qui sont ta foi. Tu viens de toi-même. Ton espérance a été anéantie. Quand l'espérance est anéantie, donc, sa vie change, sa vie est bouleversée. C'est un désastre. Plusieurs vont être apaisés. Plusieurs vont être confondus. Vont être crevés. Tu dis qu'en tant que voilà ce que le prophète a longtemps donné, de commencer à prier, de réfléchir là-dessus. Quand tu sens des signes qui se confirment, les prophéties sont en train de se manifester dans la vie, au lieu de chercher à te cacher, tu commences à te débarrasser quand tu veux, tu vas mourir. Tu mourras. Tu mourras parce que c'est pas normal. À tous les certains, la loi va tomber pour les prophéties. Dans ce sens, ils vont être envolés, suppliés et ils n'échapperont pas. Au fléau que Dieu envers nous. Viens donc sur la Côte d'Ivoire. Leur expérience sera guérie. Je vais donner des exemples. De quoi est-ce que tu vois? Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2, il y avait une grande famille en Samarie. Et il y a un officier du roi qui n'a pas accepté la prophétie du prophète. Le prophète dit que l'abondance va venir dans sa maison. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareil, je ne peux pas venir. Mais il est mort. Le prophète lui a dit, tu le verras, mais tu vas bénéficier. Ceux qui vont mépriser les prophéties, que ce soit parmi les habitants de la Côte d'Ivoire, que ce soit parmi les autorités, que ce soit parmi le peuple de Dieu, ils risquent de mourir. Ils risquent de ne pas voir la porte de l'homme. Ils ne verront pas, plusieurs de cela, ne verront pas la porte de l'homme, ne verront pas la gloire de Dieu, ne verront pas bénéficier des bienfaits de la nouvelle Côte d'Ivoire, quoi que ce soit la justice. Plusieurs de cela seront confondus, brisés, comme ce que Dieu s'est dit. Il a perdu la vie. Il a vu et il n'a pas perdu. Frère ça. Celui qui est prudent n'a pas péché. Vous êtes prudent. Vous ne connaissez pas ces prophéties qui sont des véritables qui se conforment à la parole de Dieu. Soyez prudents. Ne vous exposez pas. Dans le chemin des éléments, les hommes viendront. Ils viennent. Ils vont surgir bientôt. Dans tout la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous soyez épargnés? Peut-être que je parlerai en nom de Jésus. Ils ont Exode chapitre 9. Exode chapitre 9. Exode chapitre 9, verset 19 à 21. En Égypte, lorsque l'Éternel a exercé ses jugements contre Pharaon et tout l'Égypte. Exode chapitre 9, verset 19 à 21. Qui dit? Il y avait le jugement, la graine, le septième fléau,
Moïse prophétisait en disant les fléaux qui viennent. C'était le septième fléau. Et le Seigneur m'a donné des signes conformes à ces choses. Concernant la Côte d'Ivoire, j'ai été beaucoup de pouvoir. Le septième fléau, la nuit, la guerre, les spirituels. Et la nuit. Au verset 19, Moïse a dit, fais tomber en sûreté les troupeaux et tout ce qui est ta voix dans le champ, tu parles la parole. Il donne également la prophétie, mais il dit à Pharaon, pour aider les gens, ne veut pas que les gens meurent. Le Seigneur ne veut pas que les gens meurent, non. C'est pas ce que le Seigneur dit. Mais le Seigneur dit, ça va être ça, puissance, puisqu'il y a des gens qui ont d'autres puissance. Certaines de ces raisons, elles sont à vous d'abord la vie de la femme.
par le Seigneur. Cette raison de compassion, leur vieille maladie de compassion, malheur, c'est un malheur qui va faire pris à votre corps. Une malédiction qui a pris le ronge de pays. Et la dépassation sera manifeste tellement que des belles maisons construites resteront sans habit. Après, le désastre. Verset 12 à 7. La harpe et la luth, le tambourin et la flûte et le vin, allument leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre éternelle. Ils ne vont plus fêter des fêtes, des anniversaires, dans des maisons, dans des familles. Regardez ce que Dieu dit. Ils ne vont plus le travail de ses mains, l'œuvre éternelle, les provinces sont les étrangers, pas. Non, cela, il ne parle de rien. Mais voilà ce que le Dieu dit. Ensuite, ils ne vont pas prendre garde à la parole de l'Éternel, à ses prophéties entières, à nos sur la Côte d'Ivoire. Ils seront dans les fêtes et cérémonies de la société. C'est pourquoi mon peuple sera soumis à mes pratiques. Sa noblesse pourra être faite. Et sa nature sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le sujet des morts. Et que sa volonté soit faite au nom de Jésus. Amen.